Elle trouve 9 chiots dans une poubelle, l'éleveur donne la pire des explications. Un drame évité de justesse. Après avoir reçu des informations anonymes au sujet d'une personne qui vendait des chiots malades à l'arrière d'une camionnette, l'ARSPCA a décidé d'enquêter sur la situation. Mel Fichet, un inspecteur de l'ARSPCA, s'est rendu à l'endroit où la fourgonnette a été vue pour la dernière fois et a été complètement choqué par la situation. Un choc. En arrivant sur place, Mel Fichet a trouvé la camionnette entièrement vide, avec beaucoup de désordre à l'intérieur. En observant les alentours, elle a finalement découvert 9 petits chiots dans une poubelle. Les chiots étaient évidemment effrayés, et tous de races différentes. Sans perdre une seconde, Mel Fichet a pris les chiots et a décidé de les emmener dans le cabinet vétérinaire le plus proche afin de les faire examiner avant de les confier à l'ARSPCA. Laissés au soleil pendant plusieurs heures dans la poubelle, les chiots étaient évidemment tous très malades. Ils étaient déshydratés, léthargiques et avaient la diarrhée. Une situation plutôt inquiétante donc. Des petits miraculés. Comme par miracle, tous les chiots ont finalement pu s'en sortir et après quelques semaines de soins ils étaient même tous plutôt en forme. Ils ont alors reçu des noms, Agne, Barbara, Cheryl, Davina, Denise, Jerry, Jim, Joey et Norman. Aujourd'hui, chacun des 9 chiots a trouvé sa famille pour la vie. La preuve que parfois il suffit de bien peu de choses pour avoir droit à un nouveau départ dans la vie. Quant à savoir pourquoi ces chiots ont fini dans une poubelle, la raison est aussi simple que révoltante, car l'éleveur ne parvenait pas à les vendre.